Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition de Sky Academy Spécial Festival de Cannes. Le semaine dernière, plusieurs classes du lycée Pietro Verri de Milan sont parties travailler en alternance dans des magasins, hôtels et restaurants. Oui, plus de 65 élèves ont participé à cette expérience à Cannes, sur la Côte d'Azur, pendant la 15e du plus célèbre festival de cinéma au monde. Écoutons leurs témoignages et leurs sensations recueillies au son des familles d'accueil au travail et au festival. Maintenant, on passe la parole à notre envoyé. Bonjour à tous, nous sommes ici avec deux jeunes stagiaires italiennes qui sont en train de passer un séjour dans la ville de Cannes. Aujourd'hui, nous allons leur poser des questions à propos de leur expérience. Donc, Susanna, comment se passe avec ta famille? Ça se passe très bien, merci. Ils sont très gentils avec moi et avec ma copine Margherita qui aujourd'hui est en train de travailler. Mais je n'aime pas trop la cuisine, mais je pense que c'est un problème et donc ça se passe bien. Parfait. Sara, donc, quelle est ta première impression de ta famille d'accueil? Ma première impression a été très positive. Ma famille d'accueil a été gentille avec moi. Elle est composée par une femme qui s'appelle Christelle et ses deux filles, Anaïs et Élise. Et ils sont très disponibles avec moi, donc tout se passe bien. Merci beaucoup. Susanna, une dernière question. Y a-t-il des différences entre ta famille italienne et cette canoise? Non, pas trop. Ils sont plus ou moins pareils. Insomma, comme j'ai déjà dit, la cuisine, mais non, ils nous laissent sortir le soir. Si quelque chose ne va pas, on peut les appeler. Donc, c'est très bien. Merci. Sara, une dernière question aussi à toi. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les logements ou ta famille? Pour moi, il n'y a pas de problème, mais il y a une amie qui a dû changer d'habitation parce qu'il avait beaucoup de problèmes avec les logements. Il était tout sale, donc elle a changé de famille. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir. Merci Margherita. Maintenant, nous passons la parole à Mathilde, qui est devant le palais du festival avec un film. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Quel film avez-vous? J'ai vu Capharnaüm, c'est un film libanais. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'histoire d'un garçon libanais et il a une vie terrible, donc il décide de s'enfuir de ses parents et il commence à vivre dans une autre famille. Il semble très intéressant. Vous le conseillez aux autres? Oui, parce que c'est un film très touchant et très éducatif. Merci beaucoup mademoiselle. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.